Nous ne validerons un vaccin que s'il n'y a pas de traitement qui marche. D'accord ? Donc, ce qui explique quand même en partie aussi la guerre contre l'hydroxychloroquine, parce qu'il faudra bien que. Il y en a quelques-uns, il y a quelques malins là qui commencent à faire l'investigation. Comment expliquer cette guerre complètement folle, complètement délirante contre l'hydroxychloroquine ? Comment est-ce qu'on peut même défendre l'idée qu'un médicament qui a été pris par 2 milliards de personnes est devenu en 2020 toxique ? Comment on peut défendre simplement cette idée ? Comment ça a pu être défendu dans les plus grands journaux médicaux du monde ? Comment c'est possible ? Est-ce que tout le monde est... Vous savez, c'est l'hypothèse de Bernard-Henri Lévy, c'est tout le monde est devenu fou avec ce truc ? Est-ce que ce sont des intérêts financiers tellement monstrueux ? Est-ce que c'est que nous n'avons plus de bon sens ? Est-ce que c'est que nous sommes incapables de regarder ce qui s'est passé dans le passé ? Est-ce que c'est... Moi, je pense, une de mes théories, c'est que comme on vit dans un monde qui croit au progrès continu, on ne s'est pas rendu compte que beaucoup de choses pouvaient devenir obsolètes, mais pas les molécules chimiques.